Former Chasse Fougan Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous Former Chasse Fougan Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous
former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Se former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Se former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous...
Se former chez Asco Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Se former chez Asco Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Se former chez Asco Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous...
former chez Ospro Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Se former chez Ospro Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Se former chez Ospro Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous...
former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous...
Se former chez Ospo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Allez, bonsoir à toutes et à tous, chers supporters, sympathisants du club et autres aficionados du rugby. Bienvenue ce soir sur la chaîne YouTube de l'US Carcassonne. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct de Chambéry et de vous faire vivre le match à travers mes commentaires. Alors Chambéry, on va faire un peu de géographie pour ceux qui ne le savent pas. C'est le chef-lieu du Mont-Blanc dans le département de la Savoie. Il fait très froid. On est installé dans les travées de ce tout nouveau stade, le Chambéry Savoie Stadium. Alors pour vous le décrire, c'est un petit stade à l'anglaise d'un peu plus de 5500 places. Alors ce soir, il n'y a qu'une seule tribune qui est prise, c'est pour ça que le stade est annoncé à guichet fermé. Donc il y a une tribune de 3000 personnes qui est donc complète ce soir. Donc le stade est à guichet fermé, mais nous nous trouvons dans une toute nouvelle tribune au niveau de la technique qui est, elle, vide. Ce stade il a été inauguré pour cette saison puisqu'avant le SOC évoluait à l'emblématique stade Magère. Il faut dire que le club de Chambéry c'est un club de rugby ancien dans le paysage du rugby français puisqu'il a été créé dans les années 40. Il y a ici une culture rugby à Chambéry. C'est un club aussi habitué aux joutes du plus haut niveau amateur puisque ça fait 10 ans qu'ils évoluent successivement en fédéral 1 et désormais dans cette poule nationale. On se retrouve donc pour le deuxième match à l'extérieur de nos jaunes et noirs en cette année 2024. Et ce ne sera pas le dernier au mois de janvier puisque l'USSC a 3 déplacements de rang. Ils sont allés à Suresnes la semaine passée où ils se sont inclinés 25-21, décrochant un précieux bonus défensif. Aujourd'hui ils sont à Chambéry et la semaine prochaine ils évolueront à Massy. On ne les retrouvera qu'en février à Albert Domecq pour la réception de Blagnac le vendredi 9 février à 19h30. Rencontre que bon nombre de joueurs et supporters attendent avec impatience vu le match aller et les circonstances de ce match-là. On va parler rapidement du temps, il fait donc très très froid ce soir. A priori un peu moins froid qu'à Suresnes, mais c'est le vent qui nous joue des tours puisque le vent s'est levé, il y a un vent assez glacial ce soir. Donc des conditions, on va dire, fraîches, mais tout à fait favorables pour voir un bon match de rugby. C'est à ma connaissance la première fois que Carcassonne joue à Chambéry. Les deux équipes partagent théoriquement les mêmes couleurs, jaune et noir. On va sûrement voir évoluer Carca, donc avec le maillot extérieur en blanc ce soir comme à Suresnes. Et on se souvient qu'au match aller, les Chambériens étaient en tunique blanche et rouge, mais ce soir, arboreront une tunique jaune et noire. Avant de parler du match, je vais vous donner les autres rencontres de la journée.
Donc, il y aura Blagnac qui recevra Narbonne, Nice reçoit Tarbes, Périgueux reçoit Albi, Hyères reçoit Massy, Bourgoin reçoit Vienne et Suresnes reçoit Bourg-en-Bresse. Si je devais retenir un autre match sur cette journée de championnat, ce serait sans doute le déplacement d'Albi à Périgueux, car les Albigeois, de leur côté, ont besoin de conforter leur troisième place au classement, car en cas de résultat positif, ils pourraient également écarter un prétendant aux places qualificatives. Tout en sachant que la tâche sera dure, car pour l'instant, Périgueux est invaincu à domicile. De leur côté, les Périgourdins ont besoin de points car leur poursuivant Bourgoin reçoit le dernier Vienne qui, avec 10 points en 15 journées, semble se diriger malheureusement vers l'échelon inférieur. Le classement actuel de cette nationale, Nice et Narbonne se partagent la première place. Albi 3e, Carcassonne 4e, Chambéry 5e, on y reviendra. 6e Suresnes, 7e Périgueux, 8e Bourgoin, 9e Blagnac, 10e Hyères, 11e Tarbes, 12e Massy, 13e Bourg-en-Bresse et donc 14e Vienne qui ferme la marche. On va parler donc du contexte du match de ce soir. Chambéry, c'est 4 victoires d'affilée sur les 4 dernières journées, donc face à Narbonne qui s'est incliné 26-21 en décembre. Le SOC, Stade Olympique Chambérien, après avoir battu à domicile également Albi et Nice, voudra accrocher à son tableau de chasse à coup sûr l'USCA, sachant qu'ils sont également invaincus à domicile cette saison. C'est une nouvelle fois pour Carcassonne, un défi de taille car Chambéry pointe à une seule longueur au classement qui pour l'instant, dans l'entente du match Carcassonne-Narbonne a rejoué. Je le rappelle, Chambéry a 46 points et Carcassonne 47. Autant dire que les Savoyards vont essayer de passer devant leurs adversaires du soir en sachant qu'à Albert Domecq, le match fut plus qu'indécis avec une victoire au forceps de nos jaunes et noirs avec un score de 20 à 16. Les Carcassonnais obtenant leur victoire sur une pénale touche entraînant une faute chambérienne sur le mol porté qui aboutira par un essai de pénalité. Les Savoyards auront même la dernière munition lors d'une dernière action dans un Domecq à l'atmosphère irrespirable, mais les Chambériens feront un ultime en avant salvateur côté Carcassonne. On va aussi penser que Florent Lorenzon et Romain Guyot, anciens de la maison chambérienne, nous créditeront d'un match plein, qui donc eux ont porté les couleurs de Chambéry sur les 2 ans et 3 ans respectivement, donc sur ce maillot savoyard. On va passer donc aux compositions d'équipe. Alors, je vais commencer par la composition de Chambéry. Donc numéro 1, alors il faut savoir que dans l'effectif de Chambéry qui va se présenter face à Carcassonne, il y a 5 anciens joueurs de Carcassonne donc qui seront dans les 23 de ce soir face à l'USC. Donc dont le numéro 1, donc Somkhichvili, l'ancien géorgien, donc pilier de Carcassonne. Numéro 2 aussi également, dont le talonneur Brité de Remure. Numéro 3, Pertaya. Numéro 4, Cerqueira. Numéro 5, Witz. Numéro 6, Lébian. Numéro 7, Triki. Numéro 8, Matakainyongo. Numéro 9, Dufaux, c'est le capitaine de cette formation ce soir. À l'ouverture, on recevra Cillier. À l'aile, numéro 11, Goneva. Numéro 12, Raymond. Numéro 13, Vaitoulukina. Numéro 14, Sao. Numéro 15, arrière de cette équipe, Altier. Les remplaçants côté donc Chambéry, Segui, Bégic, Barnard, Coigna, Deschaux, Pisano, Dorival, Tev d'Orangevilly. Et donc, ils sont entraînés par Cyril Villain, Juan Orlandi et Horacio San Martin. Côté Carcassonnais, ce soir, il y a un peu de changement puisque malheureusement, Jordan Pouletua est souffrant. Il est donc remplacé par Vaya Vaya. Et donc, c'est Clément Gigliano qui va faire son entrée dans les 23 ce soir. Donc, numéro 1, Fabien Lorenzon. Numéro 2, Raphaël Carbou. Numéro 3, Fabien Lorenzon. Numéro 4, Romain Manca, capitaine ce soir. Joueur qui comptabilise le plus de temps de jeu cette saison en national. Numéro 5, Clément Fontaine. Numéro 6, Graham Gary. Numéro 7, Étienne Argent. Numéro 8, Romain Guyot. Numéro 9, Gaëtan Pichon. 132 points marqués, meilleur marqueur de ce championnat. Numéro 10, Gabin Bichet. Numéro 11, Burey Taner Acacia, donc le Fijien prononcé Saki. Numéro 12, donc c'est Vaya Vaya qui rentre donc titularisé à la place donc de Jordan Pulitua. Numéro 13, Mathis Barca. Numéro 14, Léo Daré-Latour. Numéro 15, et arrière de l'équipe de Carcassonne, Damien Hanon. Les remplaçants, numéro 16, Luca Petrachvili. Numéro 17, André Ursatier, pour son 231e match. Dédé est encore là. Numéro 18, Valentin Cessé. Numéro 19, Ferdinand Reynaud. Donc, cinquième feuille cette saison, on espère qu'il va confirmer un petit peu pour pouvoir avoir un peu plus de temps de jeu. Ensuite, numéro 20,
Enaimo Artaud, deuxième feuille cette saison. Il s'est fait remarquer en remportant le Super 7 2023 avec les Barbarians aux côtés de Simon Désert. Numéro 21, donc mon chouchou Clément Esiziano, 4 essais cette saison. Le feu follet, j'espère qu'il sera au rendez-vous. Numéro 22, Corentin Bousquet. Et numéro 23, Vakanji Akobadze. Encadrement manager, Jean-Marc Ohé. Entraîneurs avant, Eric Escarimano. Alors, il y a des absents, hein, malheureusement. Le match va commencer, comme vous le voyez, les équipes sont rentrées sur le terrain. Rapidement, donc, il manquera donc, Jordan Pulitua, Marius Timichouk, Maxime Gianni, Bilal Fadli, Pierre Aiguillon, Jérémy Toa et Nikan Eparidze. Allez, le coup d'envoi va être donné. Mais avant que le coup d'envoi soit donné, je vais parler aussi de l'arbitre. Donc, ce sera Monsieur Paris qui va arbitrer cette rencontre. Et donc, j'ai bien sûr une petite pensée pour Arsène de la Com. Je le remercie qui m'a fait confiance ce soir, on va dire. Philippe qui est à mes côtés à la technique. Et après, j'ai une pensée particulière pour mes trois amis de la web radio avec qui j'ai commencé à commenter il y a quelques temps. Donc, Joël Randé, Monsieur Guitare, dit Tighty Bob, et Luc Fuentes, donc de Web Radio Rugby. Je vous fais un coucou, les garçons. Voilà, donc le coup d'envoi va être donné. Donc, bien Carcassonne joue bien donc, en cette première mi-temps face au vent, puisque le vent est, on va dire, de gauche à droite pour l'écran. Et donc, ils seront face au vent, tunique blanche, et donc, bien sûr, le soc en tunique noire et jaune, j'allais dire jaune et noir, mais plutôt un maillot ressemblant à celui de La Rochelle. Allez, le coup d'envoi va être donné par Gabin Miché. C'est fait. Coup de pied haut. Voilà, première à l'avant, côté Chambéry. Ballon récupéré, Carcassonne. Éjecté de suite par le demi-mêlée. Gaëtan Pichon. Voilà, qui est déjà bien placé pour servir Gabin Miché. Avec, on va passer par le sol rapidement. Hop, on combine. Hop. Malheureusement, c'est un en avant. Les ballons. Malgré le froid polaire, on va dire, sont quand même glissants. Hein. La pelouse est synthétique, le stade est voilà, c'est un petit stade à l'anglaise, comme je disais, vraiment bien. Mais il nous avait annoncé un guichet fermé, hein, Philippe, mais il n'y a pas trop de monde quand même. Je pense que le froid a eu raison. Les gens sont plutôt dans les espaces VIP, on va dire, hein, et à la buvette tout à fait en haut. Contrairement à nous qui nous glaçons. dans cette tribune vide. Allez, première mêlée du match, introduction pour Chambéry. Alors pour l'instant, il ne se passe rien, donc je vais avoir le temps d'avoir aussi, puisque on met aussi à l'honneur la formation côté Carcassonne, j'ai un petit coucou aussi à Gianni Calegari et Otis Sprit, qui sont donc des joueurs Crabos, qui ont participé donc aux meilleurs joueurs français, et donc qui sont rentrés dans le top 100 des meilleurs joueurs français. Ils sont donc invités à aller donc faire le dernier stage. Donc bravo à la formation aussi carcassonnaise qui sait sortir des garçons. Donc deux garçons, un qui vient de Saverdun et qui viennent de l'Entente, donc qui est en Haute-Vallée, donc formé sur ces clubs-là du pourtour de l'Aude. Donc voilà. La mêlée s'est bien passée. Allez, Chambéry qui est à la manœuvre, le demi de mêlée. C'est le Dufour, le capitaine. Hein. Là, c'est ses avants. On passe par un ruck. Ils ont décidé de mettre un coup de pied de pression par le numéro 10, donc Siliès. Attention, rebond. Voilà. Darry Latour se saisit du ballon. Allez, messieurs, il faut sécuriser le ruck. Voilà, c'est fait. Allez, Gaëtan Pichon pour Romain Guyot, donc qui doit avoir vraiment à cœur de faire un gros match ce soir, lui qui était ici. On va repasser, je pense, par un jeu de pression. Joue au pied de pression. Très haut dans le ciel savoyard. Allez, récupérer, ballon récupéré. L'arbitre, Monsieur Paris, a vu un en avant, juste sous nos yeux.
Alors ça sera donc la deuxième mêlée de la partie. Allez, toujours pendant cette interlude, je vais aussi annoncer les matchs du week-end côté garçon dans les catégories jeunes. Hein, les cadets RBC rencontreront Saint-Jean-de-Védas au stade de Grazaille, suivi de la nationale en cadet USC contre Balma. Les Godermans se déplacent au stade toulousain dans un match assez périlleux pour eux, les petits. Pas de match en junior Crabos et RBC. Et les espoirs à Béziers dimanche, dans un match aussi en jeu. Côté féminine, il y aura Carcassonne au Montaudran, samedi à 15h en même temps que les garçons, mais à Montredon. Et dimanche, il y aura les Panthères de l'Alaric et de l'USSC qui recevront Pixel-Loup dimanche à 15h à Grazaille. Voilà pour les matchs du week-end. Allez, bras cassés pour Chambéry. On écarte de suite, hein, on essaye d'aller chercher les extérieurs. Hein, côté chambérien, c'est le numéro 13, donc l'ancienne de la maison carcassonnaise, hein, Vaitunu qui n'a porté le ballon. Mais qui commet en avant. Chers téléspectateurs, je pense que malheureusement, il pleut pas, mais le ballon est malheureusement glissant et les mains sont fraîches. Donc sur cette première mi-temps, je pense que le ballon, on va avoir peut-être plus de mêlées que prévu. Ce sera déjà la troisième mêlée. Donc 6 minutes de jeu. Donc voilà. Mêlée, introduction pour Carcassonne, Gaëtan Pichon à la manœuvre. Après, le tempo du match est aussi, on va dire, dicté par l'arbitre. Hein, j'ai pas l'impression qu'il soit un peu virulent cet arbitre. Hein. Donc, les trois quarts carcassonnés sont placés pour une attaque. Hein. On va voir ce qu'ils vont choisir comme option. Bonne poussée chambérienne. Hein. Il faut sortir le ballon. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Parfait. Allez, ça joue dans le dos. Damien Hanon. Voilà qui. Coup de pied. Bien récupéré par Léo Daré-Latour. Coup de pied de recentrage de Daré-Latour. Hop, c'est un chambérien qui récupère. Et c'est donc un coup de pied un peu cacahuète du numéro 6 de Chambéry. Donc Colin Lebouillant. Qui donne encore l'opportunité à Carcassonne de rester dans le camp de Chambéry. Allez, la charge là, oh là là, de Valentin Cessé. Il y a 4 appuis, monsieur l'arbitre. Allez, on essaye aussi de jouer sur les extérieurs. Mais encore une fois, vous voyez, le ballon est glissant. Attention, récupéré par l'arrière de Chambéry, Altier. Voilà, on passe par le sol. Et encore une fois, on va chercher les extérieurs. Et encore une fois, on est sur les extérieurs, on fait largeur, largeur. Alors, il y a un plaquage haut, hein. Un plaquage haut de Carcassonne, sans incidence, sans violence, hein. Il a accompagné le joueur, c'est, il me semble que c'est Vaya qui est sanctionné, donc pour ce plaquage haut, mais sans incidence, hein. Alors que vont faire les joueurs de Chambéry, la pénale touche je suppose. On aurait aimé quand même qu'il nous annonce un petit peu le thermomètre pour voir à combien nous sommes, car on est arrivé, il faisait moins 2, je pense qu'on n'est pas loin du moins 10 en ressenti ici. Hein. Allez, pénal touche, donc trouvé dans les 22 mètres donc de Carcassonne pour Chambéry. Là, c'est à suivre. Allez, l'équipe de Chambéry a choisi un alignement complet avec un relayeur, le demi de mêlée. L'ancien fond. Ah voilà, ressenti moins 5. Voilà. Merci Philippe. Allez, on va chercher le centre du terrain côté Chambéry. On va repasser avec le talonneur, donc Petraya. Fixé, encore un point avec les avants. Bon contest carcassonné. C'est Étienne Argent qui a c'est Valentin Cessé, pardon, qui a bien contesté le ballon, qui permet donc à Carcassonne de se sortir d'une attaque donc chambérienne. Alors on passe encore par une cellule d'avant. C'est Fabien Lorenzo. Voilà.
Ah, par contre, on a dévissé complètement le coup de pied. C'est Gabin Michel qui a dévissé. Attention, le chargeur porteur de Mataï Congo qui fait rugir le stade ici. Carcassonne n'est pas à la faute. Hein. C'est bien, il ne se consomme pas dans les rucks. On voit, ça y est, le Chambéry quand même impose un petit peu la puissance, mais on défend bien côté carcassonné. Voilà. On se met à la faute. Je crois que c'est Romain Guyot malheureusement qui perd ses appuis sur ce contest. Ouais, il perd ses appuis malheureusement. Pénalité 25 mètres face au poteau pour Chambéry. Le choix va être clair, je pense, et évident. Donc c'est Dufaux, le capitaine, qui aussi bute. Donc il fait tout. Il fait tout ce jeune-là. On va, je pense, s'acheminer vers un match où les deux équipes vont se rendre un peu coup pour coup, je pense. Comme au match aller, hein, score du match aller 20 à 16. Donc, comme je disais en préambule, avec une fin de match irrespirable à Albert Domecq, j'ai l'impression qu'on va repartir sur les mêmes bases ici, donc au Savoie Stadium. Et voilà, c'est fait. C'est Thibaut Dufaux donc, qui ouvre le score, qui ouvre le compteur 3-0 pour Chambéry. Allez, le but du jeu, c'est que Carcassonne est en face au vent de prendre le moins de points possible. Donc il faut qu'ils essayent de rester et de rester dans ce camp de Chambéry. Ça va être difficile parce que Chambéry va vouloir sortir au pied. Voilà, c'est ce qui est fait par leur ouvreur. Voilà, ballon récupéré par Damien Hanon. Joue au pied dans la zone laissée un peu libre par le numéro 10 de Chambéry qui fait un arrêt de volée. Donc un arrêt de volée peut être signifié de deux façons, hein, soit en disant marque, soit en montrant avec le coude aussi. Donc c'est la particularité du rugby où on joue aussi avec sale le ballon et avec les mains. Et avec le ballon. Allez, Damien Hanon qui rejoue dans la même zone. Et c'est donc Cillier qui dégage son camp. Allez, Gabin Miché qui va redonner un coup de pied. Pareil, toujours à peu près la même zone, sauf que le ballon amène le vent amène le ballon sur le côté. Voilà. Oh là là, c'est un 50-22 trouvé par le numéro 14 par l'ailier, donc Mawen Sao, qui est aussi un ancien de la maison carcassonnaise. Hein. On l'a dit aussi en préambule, enfin je l'ai dit en préambule, il y a 5 joueurs passés par Carcassonne dans l'effectif de Chambéry, donc voilà, on n'est pas en famille, mais presque. Hein. Donc voilà, mais grosse touche trouvée par l'ailier qui fait, c'est même pas un 50-22, c'est un 5-22. Un 5-5, pardon. Allez, lancé pour le talonneur. Pertaya pour le briquet de Rumure, pardon. Voilà, bien contré par les Carcassonnais. C'est Carbou Raphaël qui a récupéré le ballon qui a reperdu le ballon derrière. Aïe 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 aïe. Ouh, Carcassonne s'en sort bien, il est très chaud. Le bon contre d'Étienne Argent en premier bloc, mais ballon récupéré par Raphaël Carbou et derrière. Le ballon est un petit peu cafouillé, c'est un Chamérien qui récupère le ballon et qui a failli inscrire un essai. Donc cette fois-ci c'est bien Pertaya le Géorgien, donc pilier droit de Chamérien qui a failli marquer. Et donc du coup mêlée à venir pour Chambéry, vu qu'il considère que Raphaël Carbou a dû faire un en avant, parce que s'il y avait eu donc un essai refusé entre guillemets parce qu'un joueur blanc avait coffré un joueur de Chambéry, il y aurait eu un renvoi sous les poteaux. À l'introduction pour Dufaux, avec heureusement qu'on a la musique hein, ce soir quand même qui nous réchauffe un peu.
Un bonne mêlée. Poussé un petit peu en travers de Carcassonne. Hein. Ah ben voilà, l'arbitre considère que le demi de mêlée n'a pas introduit donc dans le couloir et du coup il est sanctionné. Donc ce sera un bras cassé, attention, bras cassé, ce qui veut dire que si les Carcassonnes trouvent la touche, ils ne pourront pas donc effectuer le lancer puisque ce sera Chambéry qui effectuera le lancer. Allez voilà, touche trouvée sur les 40 mètres, donc touche pour Chambéry qui choisit d'avoir un alignement un peu raccourci puisque numéro 8 se met donc au milieu du terrain, donc ça veut dire que la combinaison va être vraisemblablement ou en leurre pour le numéro 8 direct ou en leurre dans son dos. J'ai l'impression que depuis le début du match ils vont chercher le milieu et le fond, donc ils vont sûrement jouer après lui. Allez, Brutet de Rémur qui porte le ballon. Dufaux à la manœuvre avec ce centre-là, Bastien Raymond qui est très dense, très trapu. Et voilà, on va chercher encore dans le dos. Dufaux encore une fois qui revient dans le côté inverse. Oh, ballon. Ballon toujours en possession de Chambéry. Alors qu'est-ce qu'a sifflé monsieur l'arbitre? Il y a un en avant, vraisemblablement en avant. À l'avant Carcassonné sur le plaquage, Voilà. En avant Carcassonné. Je trouve ce Thibaut Dufaux pas mal, avec un petit peu de vitesse, de nervosité. Intéressant ce petit demi-mêlée. Je vois que dans les commentaires, on nous indique que 50-22, c'était rare. Non, en Pro D2, il y en a, en Top 14, il y en a, et aussi en National, il y en a. Il y en a même en Régional 2, il y en a même en Régional 1. Donc 50-22, ça existe au rugby. Hein. Donc merci pour le commentaire. Allez, mêlée d'introduction du faux. Bonne mêlée, bien stable. Hein. Départ de ce numéro 8, Vélos. Hein. Qui a valsé tout le monde sur son passage. Allez, on passe avec les avants encore une fois qui travaillent. C'est le numéro 6, Lébian. Allez, l'ailier inversé qui est venu, Goneva. Passe par le sol. Ballon bien contesté, bon contest. Bon contest de Mathis Barca, je crois, qui vient gratter le ballon. Alors, c'est pas la peine de m'appeler sur le portable, je ne vous répondrai pas, mes chers amis. Je vois que j'ai plusieurs appels, donc je ne répondrai pas ce soir. Alors, on a failli prendre le ballon dans la tête. Hein. Touche trouvée par Gabin Michet. Donc, quasiment entre la ligne des 50 et des 40. Lancé à venir donc pour Raphaël Carbou. Je crois que c'est la première touche pour Carcassonne. Hein. Alors ça va vraisemblablement être un ballon porté puisque c'est Fabien Lorenzo qui est en relayeur. Voilà, belle prise de balle à deux mains. Voilà. Ça travaille devant. Ballon perdu, ballon tombé par les avants carcassonnés. De suite, on va chercher de nouveau les extérieurs. Côté Chambéry, ça a dû être lu à la vidéo, hein, puisque de suite, on s'en va de l'autre côté. Là, c'est l'arrière, donc Paul Baptiste Altier qui a le ballon. Un jeu au pied par-dessus de Dufaux. On va aller chercher cette zone-là. Hein. Ça a été identifié aussi. Hein. Allez, c'est Gonesa qui est en relayeur. Voilà pour son petit Julie. Dufaux. Altier. Brutet de Rémur hein, qui fait 20, 25 bonnes premières minutes. 29, 19 bonnes premières minutes. Hein.
faut. Encore une fois, abruté de Rémur. Dufault. Et on va chercher. Donc, c'est les ailiers qui décrochent bien. Hein. Là, c'est Sao qui est venu dans la ligne donc, de trois quarts de son aile opposée. Par contre, les joueurs de Chambéry vont un peu trop loin. Voilà, seul. Ça permet à Carcassonne de récupérer enfin ce ballon. Allez, faut la jouer, messieurs. Faut la jouer. Allez, Romain Manca. Raphaël Carbou au déblayage. On est un peu trop consommé, peut-être, pour pouvoir jouer. Donc, on va jouer au pied. Encore une fois, un jeu au pied qui essaie de trouver un angle un peu fermé. Mais l'arrière-garde de Chambéry est bien placé. Allez, Damien Ganon. Faut mettre un peu de folie, messieurs, dans ce match parce que on s'endort un petit peu. Hein. Ouais, alors qu'on est en train de soigner donc Cerquera, ils sont encore à 14 pour l'instant. Voilà, Chambéry, donc il se fait soigner devant nous. Allez, touche. Le ping-pong rugby a abouti sur une bonne touche. Donc dans le camp maintenant de Chambéry pour Carcassonne. Hein. Allez, le joueur est en train de se tester juste devant nous, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait mal à la cheville. Numéro 4, Cerquera. Je pense qu'ils vont demander le changement. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Le changement est effectué. Donc le 4, Cerquera sort. Et c'est le numéro. Alors d'où je suis, je le vois pas. Il est solide, hein, ce garçon là qui vient de rentrer. C'est le plus solide de l'alignement. On n'arrive pas à voir. Il s'est mis directement dans l'alignement. Je vois pas le numéro. C'est le numéro 18 donc qui est rentré. C'est Steyl Barnard, le deuxième ligne qui a été formé à Béziers. Donc Cerquera qui est un international portugais, qui sort. Voilà, bonne prise de balle à deux mains de nouveau. On va chercher, bienvenue. C'est Vaya Veria qui est venu dans la ligne, à l'intérieur de son numéro 10. Allez, Gabin Michet. Non, Vaya, il est là. Allez, Carcassonne sur la ligne 22. Messieurs, il faut rester dans cette zone. Hein. Ah, bien, bon contest. Bien déblayé avec de la vitesse. Hein. Ouais, le contest est bon. Le contest est bon côté Chambéry. Malheureusement, on est trop isolé sur le. C'est Graham qui s'isole là, qui vient prendre un ballon et qui s'isole. Les soutiens ne sont pas assez rapides donc, pour venir déblayer et sécuriser le ballon. Ça donne. Un ballon de sortie de camp pour Chambéry qui, malgré le vent, trouve une petite touche à mon goût. Puisqu'elle sera sur la ligne des 50, la pénalité étant sur la ligne des 22 mètres. Hein. Un peu devant la ligne des 22 mètres. Hein. Allez. Allez, lancé pour bruter de Remur. Qui lui a joué donc de 2017 à 2018 à Carcassonne. Et donc nous a gratifié d'une belle pizza. Voilà, lancé pas droit, spécialité un petit peu des talonneurs. Ils en font chacun une ou deux par match. Ce sera donc une mêlée pour Carcassonne sur la ligne médiane. Il y a un petit côté peut-être à jouer pour essayer de mettre un coup de pied rasant de pression. On va voir ce qu'ils décident de faire. Ils ont choisi déjà de jouer, peut-être pas de jouer au pied. Allez,
Monsieur l'arbitre, si vous pouviez un petit peu accélérer dans vos commandements, parce que on est à la à peu près 25e minute et les mêlées sont quand même. Je pense que le Chambéry est dominateur hein, de ce qu'on voit là sur l'impact là de la mêlée. Après, peut-être que les commandements sont trop lents et que ça perturbe un petit peu la première ligne carcassonnaise. Mais bon, c'est pas que sur l'impact, mais sur la poussée aussi qui se sont fait rotofiler. Allez, Chamery choisit de prendre les points parce que, comme je vous disais, donc on a joué 25 minutes déjà, donc il reste plus qu'un quart d'heure. Il n'y a que 3-0 au tableau d'affichage. Et voilà, Chambéry sait que Carcassonne a quand même un buteur de la trempe donc de Gaëtan Pichon et que il faut prendre des points hein, tout ce qu'il faudra puisque ils joueront face au vent en deuxième mi-temps et que toutes les pénalités quand même dans la zone des 50 mettre Gaëtan Pichon s'est entraîné assez longuement donc je pense qu'ils veulent scorer un maximum hein, cette première mi-temps avec l'appui du vent. En revanche, ce n'est pas Dufaux qui bute. C'est le. C'est l'arrière, je crois. Non, non, c'est le numéro 10 qui a buté, pardon. C'est Jean-Luc Alouine Siliers. Sud-africain. Ah, sur le coup de renvoi, on a donc une obstruction donc d'un joueur de Chambéry sur un carcassonné. Ah, les messieurs. Allez, ça se réchauffe, c'est gentillet, il n'y a rien. On se chambre un peu. C'est normal. Allez, il y aura une pénalité donc à venir mais face au poteau. Allez, on va dire à 35 mètres face au poteau. Quel est le choix? Alors, le choix, a priori, Gaëtan Pichon, oui, voilà, le choix est de prendre les points. Bon, je pense que la distance est là, même s'il y a le vent contre. Alors, je vous rassure, hein, il fait toujours très très froid. Et quand je dis très très froid, je pense que à la fin du match, j'aurai une amputation de mes doigts de pied. Tellement il fait froid ici à Chambéry. Voilà, quand on parle dans le niveau amateur et niveau professionnel des coups de renvoi et de bien être placé, de ne pas faire de faute pour valider les points qui ont été acquis, ben là on prend de suite une pénalité, ça va pas faire plaisir à l'encadrement de Chambéry d'avoir pris une pénalité stupide. Hein. Ouais, Gaëtan Pichon qui valide hein, donc cette pénalité, les trois premiers points pour Carcassonne, 6 pour Chambéry, 3 pour Carcassonne. Voilà, ils sont prévenus, faudra pas trop laisser de pénalité à Gaëtan Pichon qui, malgré le vent, a dépassé les poteaux de 10-15 mètres. Donc il a largement la longueur et la distance ce soir, donc, et notamment pour la deuxième mi-temps où il aura le vent dans le dos, ou du moins en appui. Allez, hop, Romain Guyot qui récupère ce ballon, Graham, voilà, allez, il faut soigner cette sortie de camp, messieurs, alors on va repasser par le sol dans les 22 mètres, hein. Donc un ruck qui va permettre à Gaëtan Pichon de taper et de mettre donc le ballon directement en touche, puisque le rack a été fait dans les 22 mètres de Carcassonne. Voilà, chose faite, le ballon tombe à nos pieds de nouveau. Allez, belle touche trouvée. Alors vous le voyez, le vent souffle, on a le drapeau de l'arbitre. Alors non, je ne suis pas en tong. Je ne suis pas en tong. Merci pour le commentaire.
Allez, ils vont choisir de lancer en fond. Bien contré par Romain Manca. Daré Latour qui se saisit du ballon. Allez. On va passer de nouveau par une cellule d'avant. C'est Valentin Cessé qui prend le ballon. Voilà, au déblayage, les deux Lorenzon. Attention, le bon contest du numéro 8. Voilà, c'est bien. On est un peu trop dans les rugs de nouveau. Enfin, il vaut mieux qu'il soit trop qu'en retard, sinon il y aurait pénalité contre nous. Donc, allez, coup de pied de pression, bien tapé, hein, bien tapé, long. Voilà qui est, voilà, bravo. Ah non, pas, si en avant, signalé par l'arbitre de touche. En avant, donc de l'ailier. Mawin Sao qui lui est passé donc à Carcassonne de 2018 à 2019, puis qui avait signé en fédéral à Mâcon. Allez, Carcassonne est dans le match. Carcassonne est dans le match. 6-3. Si je m'en fie un petit peu au chrono, c'est la 30e minute. Mais en sachant que bon, malheureusement, il n'y a pas de chrono officiel à 29e minute. Mais bon, c'est le chrono de l'arbitre qui compte. Donc. Ouais, 29e et 20 secondes. Merci Philippe. Je fais à l'heure, hein, puisqu'ils c'est 20h, donc ils ont commencé avec 30 secondes de retard, on va dire, sur l'horaire prévu. Allez, introduction, Gaëtan Pichon. Oh, allez, trois quarts sont placés pour une attaque. Hein. On va rappeler que sur la précédente mêlée, c'est Chambéry qui avait pris le dessus. Là, et de nouveau, Chambéry prend le dessus, mais. Ouais, il faudrait sortir étalonner le ballon plus vite, hein, pour que le ballon sorte plus vite. Allez. Alors il met du temps, hein, monsieur l'arbitre, il met du temps. Alors, par contre, là, il y a une pénalité pour Carcassonne, hein, plutôt. Bon, c'est pas sifflé. Le droitier était complètement en travers. Je vois qu'en plus, on me le signifie par message. Merci pour les messages. Allez, on a inversé. On est revenu chercher Léo Daré-Latour. Attention, bon contest encore de Chambéry. Gaëtan Pichon. Hop, attention. Ballon mal négocié par les avants carcassonnés, récupéré par Chambéry. Ils vont aller chercher l'extérieur, je pense, de nouveau. Peut-être jouer au pied, oui, jouer au pied plutôt. Peut-être le 50-22, mais. Oh là 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 là, Léo Daré-Latour. Ah ben. Heureusement que le joueur de Chambéry tape au pied, hein, puisque tous les carcassonnés ne pouvaient pas jouer le ballon, puisqu'ils étaient devant Léo Daré-Latour. C'est. Mawin Sao qui avait le ballon. Bon, attention au plaquage là. Après le joueur s'est blessé. Ouais, le joueur s'est blessé. Fabien Lorenzon. Hein, donc qui était ben, un ancien de la maison. Hein, enfin un ancien de la maison, mais qui a été formé à Carcassonne. Hein. Ouais, le joueur est déjà un peu blessé. Attention, ça fait quand même le deuxième plaquage haut sifflé contre Carcassonne. Alors, est-ce qu'ils vont prendre les points de nouveau, Chambéry? Que vont-ils faire, hein? Ouais, ils choisissent les points, hein? Ils choisissent les points, ouais, de nouveau. Allez, c'est le numéro 10 qui va buter. Donc, le Sud-Africain, Jean-Luc Halloween Siliers. Je précise que j'ai deux paires de chaussettes, puisque beaucoup de personnes se soucient de mes pieds, mais j'ai bien mis deux paires de chaussettes. Et il fait très froid. Ah, bien buté, encore une fois, bien buté, il a la longueur.
mais elle passe à côté. Allez, une munition de gâchée, malheureusement pour Chambéry. Le score 6-3 ici, à la 33e minute au Savoie Stadium. Allez, coup de pied de renvoi aux 22 mètres, donc qui va être tapé par Gabin Michet, qui choisit de se caler sur les 15 mètres, donc côté droit. Voilà, pour effectuer un renvoi qui ira en plein champ. Je sais pas si c'est judicieux, puisqu'ils vont aller chercher le numéro 8, qui va garder le ballon, bien entendu. Encore un léger plaquage haut, mais non sifflé d'Étienne Argent. Il a accompagné le joueur, on va dire. Hein. Ouais. Ouais, c'est le 14. Donc c'est Mawin Sao qui a encore le ballon. Dufaux pour Petraya. Pour Pertaya, pardon. Allez, on va chercher le centre. Donc Bastien Raymond. 20 ans, hein, jeune centre. Prometteur. Ailier Gonesa. Allez, l'entrant, il a un gabarit hors norme, mais on l'a pas trop vu. Ouais. Donc, Steyl Bernard, le Sudaf. Allez, on joue dans le dos, encore une fois. Altier qui... Alors, un ballon récupéré par Sao Dufaux pour le numéro 8, Mata Kayongo. Un peu moins décisif, hein, ça y est, on a passé 30 minutes de jeu, il porte le ballon, mais moins décisif. On va chercher encore les extérieurs là-bas. Hein. C'est Matteo Tricky là, qui charge sur le côté là-bas. Mais... Ils sont entrés dans les 22 mètres. Hein. Allez, bon contest des Carcassonnais. Bon, qui se mettent à la faute. Il considère, monsieur l'arbitre, que les Carcassonnais vont au-delà du ballon et du ruck. Jeu au pied. Récupéré par Léo Daré-Latour. Voilà, on va revenir à la pénalité. Sifflé. On considère oui que les participants au ruck étaient en quatre appuis et ont dépassé le ruck. Alors que vont faire à Chambéry? On va aller chercher la pénale touche. Ils sont confiants, j'aurais pris les points plus tôt. Puisque sur les deux dernières pénales touches, ils se sont fait contrer, bien contrer par les Carcassonnais. Alors qu'on voit le VAR, hein, sur le drapeau de touche de l'arbitre. Allez, 37e minute quasiment. Ici au Savoie Stadium, 6-3, pénal touche pour Chambéry. Ils ont choisi donc de mettre un avant en relayeur, donc ce qui veut dire qu'ils vont garder le ballon devant. Donc il va falloir être discipliné. Il y a un changement donc pour Carcassonne, c'est Clément Giziano qui remplace Léo Daré-Latour, donc qui sûrement sur un saignement ou sur une blessure, mais. Pas identifié parce qu'il n'a pas été. Il n'y a pas eu de soigneur qui est rentré. Allez, ballon bien pris par Chambéry, attention. Voilà, pénalité déjà en cours. Pénalité en cours pour Chambéry. Monsieur l'arbitre a signifié une pénalité pour Chambéry, pardon. Là, ça se chamaille un peu. Voilà, il fait froid, ils ont besoin de se réchauffer, les joueurs. Ils vont avoir encore de nouveau le choix. Ils vont repartir en pénal touche. Ils se sentent forts, Chambéry. Ils ont dominé quand même un petit peu les collisions cette première mi-temps. Ils ont dominé dans ce jeu d'avant. Bien contré par Carcassonne, mais ils ont quand même dominé. Allez, attention à ne pas prendre un carton sur cette action-là. Ils choisissent la mêlée. Alors encore une fois, bon, pour ceux qui m'écoutent souvent, je dis que la mêlée c'est du 50-50. À tout moment, il y a la possibilité d'avoir une pénalité contre soi. Donc à 5 mètres de la ligne,
Il vaut mieux peut-être porter le ballon et jouer une pénalité à la main que prendre une mêlée. C'est un choix qui, pour moi, est un petit peu un choix stratégique à l'heure actuelle défaillant. Mais on va bien voir puisqu'ils se sentent forts. Donc, introduction pour Dufaux. Allez, la pénalité va être rejouée. Oui, alors que le speaker n'a pas eu la bonne composition de Carcassonne, puisque ce n'est pas Vaia qui est rentré, puisque Vaia joue depuis le départ du match. Et c'est bien Clément Esiziano qui est rentré à l'aile à la place de Léo Daré-Latour. Allez, monsieur l'arbitre qui prend toujours 1 minute 30 pour faire jouer le mêlée. Ah, mais bonne poussée carcassonnaise. Hein. Voilà, bonne poussée carcassonnaise, hein. Monsieur l'arbitre. Hein. Ah, mais ballon est sorti et c'est l'ailier, je crois, Gonesa qui va marquer donc sur le côté fermé là-bas. Pourtant, la poussée semblait carcassonnaise, mais ils ont sorti le ballon assez rapidement, ce qui permet à Chamery de scorer. Juste avant la pause, hein. On va se faire confirmer le marqueur. Ouais, donc c'est le numéro 8 qui est sorti de sa mêlée, donc qui a porté le ballon, qui est allé marquer. Et non, l'ailier. La transformation est en coin, elle n'est pas facile. Hein. C'est dommage de prendre ces points-là juste avant la mi-temps. Hein. Ça donne un score pour l'instant de 11 à 3 pour Chambéry en attendant la transformation. Silence de cathédrale, hein, quand le buteur botte ce soir pour Chambéry, hein, bien sûr. Ouais, le ballon passe, donc score 13 à 6. Donc c'est la mi-temps ici au Savoie Stadium. On se retrouve tout à l'heure hein, pour la reprise. Allez, à tout à l'heure.
Former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous...
Se former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous... Se former chez Osfo Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous...
Allez, on retrouve l'équipe de Carcassonne qui revient sur le terrain. Allez. Allez, on va espérer que Carcassonne finisse mieux, enfin commence mieux plutôt la deuxième mi-temps que comment ils ont fini la première. Donc je rappelle le score 13 à 3 pour Chambéry, sachant que Carcassonne aura donc le vent en appui donc sur la deuxième mi-temps. On attend les joueurs de Chambéry. Et on attend aussi Philippe qui motive nos joueurs qui sont blancs ce soir, maillot extérieur. Allez, le corps arbitral arrive et les joueurs donc de Chambéry, les Savoyards arrivent sur le terrain également. Allez, on rappelle le classement, donc match en jeu ce soir puisque Carcassonne a 47 points et Chambéry a 46 points, toujours dans l'attente du match de Carcassonne-Narbonne. Donc c'est effectivement un match à enjeu ce soir, puisqu'il permettrait quand même à Carcassonne, en cas de victoire, de distancer un petit peu cette équipe de Chambéry. Donc cette vaillante et valeureuse équipe de Chambéry. Allez, le coup d'envoi va être donné donc par Siliers. On attend le représentant fédéral. Voilà, c'est bon, il vient de donner son accord. Allez. Allez, c'est parti. Coup d'envoi. Long. Très long même. Dans les bras de Gaëtan Pichon. Voilà, qui va trouver une belle, très très belle touche. Alors, est-ce que le ballon est sorti avant ou après la ligne 22 mètres? On va voir. Bon, l'arbitre touche étant donc à Chambéry, il va donner, bien sûr, vous le comprenez bien, la touche devant la ligne, donc qui sera pour Chambéry. On aurait été à Carcassonne, ça aurait été autre chose. Mais on fait en sorte de ne pas critiquer l'arbitrage, bien évidemment. Allez, Carcassonne investit le camp de Chambéry. Je rappelle encore une fois qu'ils ont le vent, en espérant donc que les 10 points qui séparent les deux équipes soient rattrapés et dépassés par les Carcassonnais. Allez, le numéro 8 toujours en relayeur. Ballon contesté, contré. Allez, bonne séquence défensive à venir pour Carcassonne. Il faut qu'il les garde dans cette zone-là des 22 mètres pour pousser Chambéry à taper à touche pour récupérer le ballon. Allez, messieurs les Blancs, il faut monter sur le moteur. Voilà, c'est Dufault qui sort le ballon directement en touche. Dans les bras de Clément Ziziano qui ne prend pas de risque en jouant vite ce ballon. Les Chambériens étant montés assez rapidement. Allez, touche à venir pour Carcassonne du coup, sur quasiment la ligne des 40, entre les 40 et 50. Le choix carcassonnais, alignement complet. Lancé en fond, volé. Non, monsieur l'arbitre, le ballon. Allez. On va dire que le lancé n'est pas droit. Alors qu'on soigne, donc, Bruté de Rémur, le talonneur, ex de la maison carcassonnaise. Il fait froid et comme vous pouvez voir, alors vous ne voyez pas l'écran, mais la ligne de trois quarts de Carcassonne s'échauffe, donc il fait très très froid. Voilà. Je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne me croiraient pas. Allez, introduction pour Dufault, le capitaine de cette équipe. Alors sur les dernières mêlées, je trouvais que la mêlée chambérienne était un petit peu à la faute. Hein, avec ce pilier droit, Pertaya, qui rentre un petit peu de travers. Ah, bonne mêlée. Mais... Voilà, il considère que... Ah, attention, il y a le... Ouais. Il fait froid, ils ont besoin de se réchauffer, toujours pareil. Hein. Donc l'arbitre siffle que
Dufaux n'a pas introduit donc dans le couloir, il a introduit un peu trop dans son camp. C'est la deuxième fois ce soir. Allez, Carcassonne décide de jouer le ballon. Voilà, Raphaël Carbou, voilà, qui est plaqué. Qui est plaqué, il doit le lâcher, voilà. Allez, un peu de vitesse. Hein, avec c'est Clément Gigiano qui est venu auprès du ruck. Allez, on passe par Graham. Voilà, bien, les libérations sont bonnes. Hein. Allez, un peu plus de vitesse, messieurs. Voilà, avec Vaya, Vaya, qui avance. Hein. Encore Gigiano auprès du ruck. Hop. Allez. Allez, guys. Gaëtan Pichon qui commande en avant. Et ouais, on est contesté sur le ruck, contesté sur le ruck. Donc Chaméry qui ne s'est pas mis à la faute et a contesté, a poussé dans l'axe. Ce sera donc une mêlée. Introduction de nouveau pour Chaméry. On va surveiller l'introduction hein, puisque ça fait deux fois que le numéro 9 introduit dans les pieds quasiment du deuxième ligne. Oui, alors je vous confirme bien que c'est l'arbitre qui donne vraiment le tempo lent de ces mêlées. Ça va être très difficile pour les joueurs de s'adapter. Ouais, il a de nouveau introduit dans les pieds de ses secondes lignes. Elle est sortie de le ballon par le numéro 8. On revient côté de la mêlée. Ils ont tenté d'avoir une pénalité. Attention, ils portent bien le ballon. Ils avancent avec Gonesa. Dufaux. Ça joue dans le dos de nouveau. Ah, ils arrivent avec de la vitesse. Hein. Attention. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Quel essai meurtrier. C'est Mawin Sao qui vient inscrire cet essai. Qui vient tuer complètement l'action positive qui a été faite par les Carcassonnais juste avant. On se retrouve à 18 à 3. Ah, ils ont bien identifié que sur les côtés, c'était un peu plus laxiste, on va dire, mais bon, ils ont joué parfaitement l'action. Ah, donc, essai par Mawen Sao, ancien de la maison carcassonnaise. Transformation à venir par le numéro 10. Cillier. Allez, on attend une réaction carcassonnaise hein, imminente. Hein. C'est dommage parce que sur le rock précédent, l'en avant de Gaëtan Pichon, il est fait parce qu'il y a quand même deux joueurs qui sont sur le côté. Alors, le ballon, certes, peut-être est un peu. On va dire disponible, mais bon, ils sont quand même sur le côté. Mais c'est comme ça. Voilà, transformation ratée. On va rester à 18 à 3. On espère que les Blancs vont se réveiller, vont se un petit peu remettre de la marche en avant parce que voilà, on subit et on continue de subir. Allez, coup de renvoi par Rémi Michet. Voilà, bien récupéré par Gonesa. Goneva. L'ailier. Allez, on va rechercher le numéro 8 qui est la pause lui a fait du bien puisque ça y est, redominer les collisions. Il aura avancé sur quasiment tous ses impacts, ce numéro 8. Alors, donc il y a eu un changement donc à Chambéry, c'est Enzo Seghi qui est rentré à la place de Brutet de Rémur. Allez, ballon récupéré. Par Romain Guyot, allez messieurs, il faut sortir le ballon, il faut sortir le ballon. Il considère que Gaëtan Pichon n'a pas joué à l'endroit de la faute, heureusement, parce qu'il semblait qu'il avait fait un léger en avant. Allez, une bonne touche à trouver pour Gabin Michet.
Le ballon sur la toit de la tribune, on ne le reverra pas celui-ci. Il va y avoir du changement côté Carcassonne. Hein. Il y a trois joueurs qui se préparent à rentrer. Allez, lancé pour Raphaël Carbou. Alignement complet. Alignement à 6 avec Graham en relayeur. Oh là là. Lancé pas droit. Je ne comprends pas pourquoi Velvan qui a choisi d'aller en fond. On peut lancer devant, il ne saute pas. C'est d'assurer le ballon pour essayer d'avoir un peu le ballon quand même. Puisque c'est quand même Chambéry qui monopolise le ballon ce soir. On n'a pas trop mis les Carcassonnes à avoir le ballon. Donc on sort la première ligne complète hein, côté Carcassonnais. C'était donc le dernier lancé de Raphaël Carbou. Fabien et Florent Lorenzon font leur sortie. Et donc c'est une première ligne toute fraîche donc avec Lucas Petragili, André Ursaquet, l'ancien au 231 match avec Carcassonne. Et donc Akobadze qui rentre à droite. Hein. Allez messieurs, faut faire le taf. Faut faire le taf. Alors qu'on voit encore des joueurs qui s'échauffent, tellement le froid est glacial. Allez, introduction du faux. Il y a un petit peu de tricher à mêler, bon, c'est de rigueur, mais la roublardise des piliers. Bon, enfin, c'est pas Dédé qu'on va la lui faire. Hein. Alors que depuis le début de la partie, j'appelle quand même Clément Fontaine, Valentin Cessé, donc je vais rendre à César ce qui est à César. Dans le numéro 5 de Carcassonne, c'est bien Clément Fontaine. Valentin Cessé est en remplaçant. Pénalité contre Carcassonne sur la mêlée. Il considère qu'on n'a pas respecté les commandements. Allez, Sidier qui envoie le ballon. Il trouve la touche. Touche à venir pour Chambéry. Allez, alignement raccourci. Ils seront aussi sans touche. C'est annoncé par le capitaine de touche. Colin, il est bien. Par contre, ils n'ont pas de relayeur. Hein. Il n'y avait pas de relayeur sur la touche. Ou du moins identifié. Allez, mêlée à venir. Pour Carcassonne, on repart un petit peu comme le début de la première mi-temps avec des mêlées à répétition. Avec du temps qui s'écoule. Alors déjà que monsieur l'arbitre met 1 minute 30 pour faire les mêlées. Si en plus à chaque fois on s'arrête, hein, ça va être long. Il y a un changement côté Chambéry. C'est le numéro Lucas Belgique, l'ex-export du Racing qui vient de rentrer à la place de Georgi Pertaya. De Somkis Judy. On a quasiment une ligne, une première ligne de chaque côté d'avant. Allez, introduction pour Gaëtan Pichon. Voilà, pénalité. Ouais, c'est le fameux pilier droit, donc Pertaya, qui est mis à la faute. Qui, je pense, depuis le début, pousse à travers. Alors Philippe, je n'irai pas jusque-là en disant que maintenant l'arbitre l'a vu.
Mais il a sifflé. Allez, lancer à venir sur la ligne des 40 mètres. Il serait judicieux peut-être de lancer un premier sauteur pour récupérer enfin un ballon et pouvoir jouer, messieurs Carcassonne. Allez. Bien contré, c'est bien contré côté Chambéry, encore le numéro 8 qui porte ce ballon. Alors Enzo Seghi, Dufaux, pour Barnard. Ah. Dufaux, ouh, bien plaqué par Dédé Rossaquet, voilà, enfin un petit peu de nervosité saine, on va dire, voilà, enfin, on fait des plaquages un petit peu offensifs, on fait reculer cette ligne d'attaque. Hein. Enfin, messieurs, il a fallu quand même attendre quasiment 7-8 minutes en deuxième mi-temps. Allez, bon, passer par un jeu au pied de pression. Tapé par leur numéro 9, capitaine hein, Dufaux. Il est bien tapé, il est bien tapé. Attention avec le vent. Il y a un en avant carcassonné. L'arbitre va revenir, puisque le contest de Étienne Argent était bon, mais il va revenir à l'en avant donc, de Sacchi. Allez. Donc il y a Gram donc, qui sort pour Carcassonne, remplacé par c'est Corentin Bousquet, première feuille de match cette saison. C'est un ancien espoir de Perpignan. Il a fait de très très bonnes feuilles de match avec les espoirs de Carcassonne. Donc il va falloir qu'il confirme ce soir à un niveau, à un échelon un peu plus haut. Jeune joueur. Alors, côté Savoyard, il y a le numéro 6 qui sort. Collègue Lebian. Donc, remplacé par Thomas Coignard, numéro 19. Allez, 56e minute, hein. Mêlée, introduction pour Dufaux, Chambéry. Ouais, le pilier droit quand même de Chambéry est encore à la faute. Hein. Il va directement au sol. Chambéry joue derrière, hein. De nouveau il s'écarte. Hein. Alors que le numéro 22 est venu remplacer le numéro 15. Hein. Donc c'est Beaurival, Dorival qui rentrait. Qui trouve une touche donc, dans les 22 mètres de Carcassonne. Hein. Lancé pour Carcassonne. Dorival qui jouait à Vienne. Allez, faut soigner le lancer. Faut prendre ce ballon. On s'est fait contrer déjà. Voilà, bien pris. Ballon éjecté. Tapé, mais on ne trouve pas la touche côté Carcassonne. On rend la munition. De nouveau à Chambéry qui va de nouveau chercher l'extérieur. Donc avec le numéro 13 qui envoie le ballon directement en touche. Mal maîtrisé, les centres ne se sont pas trouvés. Alors que il y a un échange d'amabilité entre Mathis Barca et son vis-à-vis, Bastien Raymond. Les pénalités
Il y avait une touche, donc, et l'arbitre donne la pénalité, puisque le Savoyard a empêché juste le ballon d'être récupéré par les Carcassonnais, même s'il ne la jouait pas vite, il a volontairement embêté donc Mathis Barca. Voilà, c'est preuve d'autorité, monsieur Paris. Et encore un ballon dans la rue, puisqu'il faut savoir que derrière notre tribune, c'est une avenue et que en fait, les ballons ne sont pas récupérés, donc ils sont chez les voisins directement. Un stade à l'ancienne, un stade à l'anglaise, hein, comme on disait. Allez, lancez Petro. Alors, sortie de Damien Hanon, entrée donc de Enawarto. Allez, lancé, bien pris par Étienne Hergent. Attention, encore une fois, ils avaient lu un peu la touche, les Chambériens. Voilà, le numéro 5, monsieur l'arbitre. Voilà, bien lu, bien lu, bien lu. Allez, Petrangeli, passe par le sol. Gaëtan Bichon, allez, messieurs, un peu de vive. Voilà. Allez, Clément Gigiano, voilà! Voilà, le poulain, Clément Gigiano, qui va marquer, qui réduit le score. Allez, on revient vers notre camp. 18-8. Allez, Gaëtan Pichon, cette transformation est importante. Allez, c'est bien, on voit que quand on a nos ballons, mais c'est plus facile. Hein. On a fait enfin une action. Complète, je dirais, avec une prise de balle en touche, du jeu vers les trois quarts, une prise d'intervalle, et c'est l'ailier inversé, hein, qui est venu. Ouais. Alors que Akobadze semble s'être fait mal à la cheville, hein. Il est devant nous. Il va y avoir encore du changement. Je vois Ferdinand Dreno. Valentin Cessé. Alors que la transformation est ratée malheureusement par Gaëtan Pichon. Allez, 20e minute de jeu. Chambéry 18, Carcassonne 8. Il va y avoir du changement côté Carca. Et des deux côtés, puisqu'il y a aussi deux Chambériens qui se préparent à rentrer. Je vois que le numéro 14 sort. Donc c'est Mawin Sao qui a fait un bon match. Et c'est Victor Pisano qui le remplace. Donc c'est un centre 29 ans formé à Dax. Et donc c'est le numéro 3 Petraya qui était fautif sur les précédentes mêlées, mais pas trop sanctionné, qui cède sa place. Et donc Étienne Hergent cède sa place également. Donc c'est Ferdinand Dreno qui est rentré. Et Valentin Cessé qui remplace. Il me semble que c'est Romain Banquia qui est sorti avec Étienne Hergent. Non, Romain Banquia est encore sur le terrain, il me semble. Je vais attendre la confirmation. Allez, encore le numéro 8, hein. Il aura fait des dégâts ce soir quand même. Hein. Il aura bien porté le ballon, ce joueur. Et on va chercher de nouveau. Ah non, je me suis trompé. Ils prennent le centre. Attention, bon contest. Dufaux qui a servi son demi d'ouverture. Encore une fois, un bon contest. Ferdinand Reynaud qui est au contest, monsieur l'arbitre. On passe avec les avants. C'est Enzo Seghi là, bien. Dédé Ursaquet en a fait sa cible. Ça fait deux fois que Dédé avance sur ses plaquages. Hein. Attention, par contre, on défend très mal derrière. Ouf, charge. Oh, je sais. C'est un peu le désordre, c'est un peu le désordre. Hop, en avant. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a eu un petit peu peur sur cette action, là. La défense était montée en quinconce, hein, mais ils se sont bien rattrapés. Il y a eu un bon plaquage, hein, et une montée agressive. Hein. Allez, il y aura une mêlée pour Carcassonne.
Ça, les soigneurs des deux équipes sont sur le terrain. On soigne donc Akobadze à la cheville. Hein. J'ai peur qu'il se soit fait l'entorse à la cheville parce qu'il fait que se toucher. Celle-ci. C'est dommage parce que. Il vient juste de rentrer. Oui, c'est Romain Guyot qui avait laissé sa place et non Romain Manka. À la place de Valentin Cessé. Allez, monsieur l'arbitre. Très pédagogue, hein. Très pédagogue, monsieur l'arbitre. Je ne sais pas s'il vient pas de Suisse, hein, parce qu'il est lent. Un bras cassé pour Carcassonne, monsieur l'arbitre. Ils attaquent la mêlée avant. On aura passé au moins 10 à 12 minutes sur facilement sur des mêlées. Allez, on va refaire cette mêlée. On joue la 65e minute. Donc, encore une fois, je vous rappelle que le chrono, c'est le chrono qu'affiche le stade, mais c'est peut-être pas le chrono de l'arbitre. Donc, il peut y avoir des différences. Allez, mêlée, introduction, Gaëtan Pichon. Ferdinand Reynaud s'est positionné en numéro 8. Et Valentin Cessé, troisième mondial. Allez, Gabin Miché, Vaya Veria. Clément Gigiano, pris un peu haut. Bonne libération. Allez, Gaëtan Pichon. TCC, Ferdinand Reno. Là, par contre, on n'avance pas. On est bien contenu. Ils sont sur la largeur. Il faudrait peut-être les resserrer, messieurs. Encore Dédé. Dédé fait une très bonne rentrée. Hein, Dédé. On inverse. Hein. On vient jouer dans le dos des avant. Allez. Allez, c'est le jeune, hein, c'est qui montre la voie, c'est Enao Erto. Le ballon rebondit, Clément Gigiano. Il y a encore un joueur là-bas, voilà, qui va être servi. Voilà, qui avance, c'est bien, Carcassonne garde le ballon, conserve, fait des temps de jeu. Allez, messieurs, soyez patients. Vous aurez une pénalité au pire des cas, soyez patients. Voilà, Ferdinand Reno, bonne rentrée aussi, qui avance. Gabin Miché. Arthaud, le feu follet de notre aile. Saki, passe par le sol, Gaëtan Pichon. Soyez patients, messieurs. Voilà, Fontaine. Hein. Akobadze, hop dans le dos. Vaya, vaya. Allez, les Carcassonnes sont rentrés dans les 22 mètres. Oh là là, oh là. C'est pas possible la première. Ballon contré encore. Hein. Le ballon est carcassonné normalement, oui c'est ça, le ballon était encore rendu à Carcassonne. Hein. Et c'est un essai. C'est un essai. Ah, alors on va attendre, il va demander à son arbitre de touche, je pense, de demander si... C'est Romain Manka, hein. C'est Romain Manka sur le côté là-bas, qui a marqué. Ils vont, je pense, peut-être voir s'il n'est pas parti avant. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi il... Qu'est-ce qu'il attend, monsieur l'arbitre? L'essai... Non, il n'y a pas essai. Il n'y a pas essai. Alors là... Il n'y a pas essai. Qu'est-ce qu'il va dire, hein? Pas essai. D'accord. Voilà, il... Donc, voilà. Donc, Romain Manka est parti devant le... Est parti devant le... Devant... Gaëtan Pichon qui a tapé par-dessus, alors bon, je très sincèrement, on n'a pas les ralentis, donc je peux pas voir, j'ai l'impression que sur l'action, effectivement, il est légèrement devant, mais parce qu'il est plus grand que son vis-à-vis, donc au bord du rec, et donc il est plus grand que l'ailier, donc forcément, mais bon, comme c'est de l'autre côté du terrain, je suis un peu dubitatif, mais bon.
C'est le même arbitre de touche qui, je le rappelle, a préféré donner une touche sur les 22 pour Chambéry que dans les 22 pour Carcassonne. Hein. Sur les 50-22 qui auraient pu être sifflés pour Carcassonne, alors que donc c'est les entraîneurs hein, de. C'est Eric Escribano qui se fait reprendre un petit peu par l'arbitre hein, et le représentant fédéral. Ils sont mieux placés que nous, donc sont mieux placés que nous, donc je pense qu'ils ont vu l'action plus près. Donc ils sont très frustrés. Donc peut-être qu'il y a vraiment que l'essai est valable, tout du moins. Allez, on repart donc pénalité pour Chambéry. Donc il y aura une toute petite touche trouvée par le l'ouvreur. Remplaçant qui est rentré, c'est le 22. Le numéro 15, pardon, Jules Dorival, qui avait remplacé le numéro 15 et qui s'est a priori repositionné en numéro 10. Alors que le capitaine de touche de Chambéry est revenu sur le terrain. Hein. Allez, ballon volé. Allez, Carcassonne aussi envoie vers les extérieurs. Allez, ballon conservé par Vaia. Allez, on joue dans le dos. Allez, Clément Ziziano. Là-bas pour Valentin Cessé qui est resté sur le côté dans les 10 mètres, sur le couloir. Allez, Carcassonne impose un peu plus de tempo, c'est bien, messieurs. Allez, faut être un peu plus encore incisif pour avancer. Voilà, c'est ce qui est fait par Manka. Allez, maintenant c'est Clément Fontaine, la seconde ligne qui donne sa personne ce soir. Allez, Ako. Akobazé bien refoulé par Chambéry. Hein, la défense est Chambéry agressive. Ah, pénalité. Voilà. Pénalité, elle est face au bar. Messieurs, on prend le temps. On calme. On prend les points. On est en train de revenir comme il faut dans le match. C'est ce qui est choisi par le capitaine Romain Manca. Hein. Donc, ils prennent les points. Donc je rappelle que Romain Manca, c'est le joueur qui comptabilise le plus de temps de jeu dans cette saison en national. Et que le buteur maison, hein, Gaëtan Pichon, c'est 132 points marqués. Donc il en a marqué 3, donc il a 135 points marqués. Donc meilleur marqueur du championnat. Alors quand je regarde la télé, souvent je dis aux commentateurs qu'ils se taisent parce que souvent ça porte la passe au buteur. Je viens de faire exactement la même chose. Allez, ressenti, nous sommes passés à moins 8. Alors, comme je vous disais, le buteur est respecté côté Chambéry, côté Carcassonne, un peu moins, mais c'est de bonne guerre. Hein. Allez, voilà, 3 points de plus pour Carcassonne qui revient à 7 points de Chambéry. Donc, on est de nouveau un petit peu dans un match. Serré, 18-11. Il reste 8 minutes à jouer. On a pris côté Carcassonne, j'ai l'impression un petit peu l'avantage moralement. Physiquement et moralement, on va voir. Toujours pareil, valider ces 3 points par une bonne sortie de camp. Une bonne réception, une bonne sortie de camp. On va voir ce que choisissent les Chamériens. Voilà, renvoie bien haut. Il sera récupéré par Ferdinand Reynaud juste devant la ligne, bien tapé, hein, parce que Carcassonne ne pourra pas taper directement en touche. Hein. Ils vont être obligés de repasser par un point avec Clément Fontaine devant dans les 22 mètres. Hein. Allez, il faut trouver la touche, Gaëtan. Ouais, ballon bien tapé, et qui va bien, bien, superbe touche trouvée par Gaëtan Pichon qui est quasiment donc sur la ligne des 40 mètres. Donc côté chambérien, belle touche. Hein. Voilà, avec l'appui du vent, on l'a dit. Hein. Alors, j'ai Philippe qui se réchauffe comme il peut à côté de moi en criant allez les jaunes. Mais les jaunes sont en blanc, Philippe, ce soir. Donc tu peux crier allez les blancs. Parce que les jaunes.
Ouais, bon contre encore une fois bien lu par Romain Mancia. Ça y est, Carcassonne a mis la marche en avant. C'est les papas qui ont pris le jeu à leur compte avec Dédé encore une fois qui vient prendre le ballon. Passe au pied de Gamem Miché pour Clément Giziano qui récupère le ballon. Voilà, encore une fois, je le dis, hein, c'est mon chouchou, mais vraiment, c'est le facteur X de cette équipe. Toujours capable d'avancer n'importe quelle situation. Ferdinand Reynaud qui porte le ballon, qui avance. Gaëtan Pichon, Akobazé, avec de la vitesse sur les premiers appuis. Ouais, on attaque le sol, monsieur l'arbitre. On attaque le sol. Allez, on joue au près. Ferdinand Reynaud. Alors que le public a vu un bon contest côté chambérien. Là, monsieur l'arbitre, c'est pas possible. Il tient le relayeur, c'est pas possible. Allez, Romain Manka qui remet de l'avancée dans l'axe. Ah, pénalité, pénalité pour Carcassonne. Elle aurait dû être sifflée avant. Elle aurait dû être sifflée avant, malheureusement. C'est comme ça. Alors qu'on a un joueur au sol. Je crois que c'est Dédé. Allez, que va choisir Carcassonne, hein? Il reste, je le rappelle, au chronomètre moins de 6 minutes, hein. Ils choisissent donc la pénale touche. Allez, ce choix audacieux des Carcassonnais, puisque en national, c'est le circuit amateur. Donc, moins de 7 points, ils ont le bonus. Donc, ils n'ont rien à perdre pour l'instant. Mais j'aurais peut-être pris les points quand même, hein, parce qu'il reste 6 minutes, on est dominateur. Bon, on va voir. Souhaitons que. L'opportunisme des Blancs ce soir sera récompensé. Allez, messieurs, allez. Je rappelle au speaker qu'il n'a pas le droit d'haranguer le public. Hein. Oh là là! C'est Dédé Ossaké qui fait la malle au prix du grec. Attention, Carcassonne est sur la ligne d'en but quasiment. Quasiment sur la ligne d'en but. Allez, messieurs, patience, patience, patience. Attention, gros coup à venir. Allez. Tranquillement avec c'est Ferdinand Reynaud. Voilà, ils sont quatre au placage. Allez, on porte le ballon de nouveau. Encore, on est très près de la ligne. On est quasiment sur la ligne de but. Oh là là, là, c'est pas possible! C'est pas possible! Mais ils viennent de partout! Ils viennent de partout! C'est pas possible! Il faut qu'il les manage, monsieur l'arbitre. Allez. Ah, mais oui, mais il est malade, je pas, il met des pénalités. Allez, 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 allez. Patience, patience, messieurs. Ça va le faire, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Hein. Ah, allez, c'est Vaia qui est au pied des poteaux, qui est arrêté de nouveau, deuxième pénalité de suite. Hein. C'est Gamem Miché qui a gardé le ballon. Pareil, il est arrêté toujours à mettre la ligne, monsieur l'arbitre. Il y a 10 fautes à la minute. Hein. Il va falloir quand même sévir à un moment donné. Il y a un avant de Carcassonne. À l'avant de Carcassonne. Par contre, monsieur l'arbitre, il y a trois fautes près de la ligne. Ça serait bien quand même que des fautes cyniques soient quand même récompensées pour Carcassonne de carton jaune. Pas essayer de pénaliser Philippe, quand même encore. Mais voilà, et on joue à la main, c'est ça qui me plaît. Voilà, allez. Allez, Carcassonne, allez, allez, allez. Jouez à la main. Allez. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, on perd pas de temps, on perd pas 1 minute 30 à faire à la mêlée. On garde le ballon, on est sûr d'avoir le ballon, on conserve. Voilà. Ferdinand Reynaud. Allez, encore, encore, encore. Allez, patience, patience. Allez, faut envoyer le tonnage là, faut envoyer le tonnage à la seconde ligne. On est très près de la ligne, on est sur la ligne, c'est pas possible. Allez, messieurs, une passe, Nara! Oh là 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 là, Kobadze quasiment! Allez, dans le dos, dans le dos, dans le dos! Oui, allez, Marc! C'est. Vaya, Vaya, oui! C'est de Vaya, Vaya! Carcassonne 18, Soc 18, Carcassonne 16! Allez, dans un stade où l'ambiance est carrément retombée, je dirais pas qu'elle est plombée, mais. Allez! Celle-là, Gaëtan, elle est encore plus importante que celle qu'il a ratée tout à l'heure. Ah, je suis chaud là. Je suis chaud, j'ai plus froid. J'ai plus du tout froid, je suis très chaud. J'espère que il va bonifier là, cette action, cet essai. Gaëtan, allez.
Je rappelle que c'est le quatrième de la nationale contre le cinquième de la nationale, que le score, il reflète que ces deux équipes sont à un point d'écart, hein, au classement. Donc, encore une fois, avec sous couvert du match de Carcan-Armon à rejouer. Mais tout du moins, voilà, ces deux équipes se tiennent. Le match aller, je le rappelle, avec un score de 20 à 16 pour Carca qui marque avec beaucoup, beaucoup de difficultés sur un essai de pénalité quasiment à la fin. Et sur Chamery qui a une balle de match encore et qui fait un avant fatidique. Donc, la transformation qui passe, 18 pour le SOC, 18 pour l'USC. Allez, messieurs, vous avez 2 minutes, vous avez encore la gagne dans les mains. Allez, messieurs. Allez, 79 minutes au Savoie Stadium. Quel match! Quel match! On les avait enterrés. Même dans les commentaires, vous les aviez enterrés. Et bien, finalement, on est à 18-18. Allez! Bonifier ce renvoi, bonifier ce renvoi. Aïe, 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 en avant, ne joue pas, ne jouez pas. Ou monsieur l'arbitre est gentil, monsieur l'arbitre est très gentil parce que Mathis Barca est allé jouer le ballon alors qu'il était devant Valentin Cessé, je crois, ou c'est Clément Fontaine qui a fait l'en avant. Allez, mêlée. Surtout ne pas prendre de pénalité. Surtout ne pas prendre de pénalité. Allez, il faut les rotofiler là, messieurs, il faut les rotofiler. Allez. Donc je vous annonce que ce sera sûrement la dernière action du match parce qu'on va mettre 3 minutes pour faire la mêlée. Donc il faut surtout pas prendre de pénalité. Allez, Dédé, fais le job. Allez, introduction pour le demi de mêlée remplaçant. Deschaux. Le ballon est disponible, le ballon est disponible. Interception! Oh non, 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 non! C'est Ferdinand Reynaud qui avait fait l'interception. On va refaire une mêlée. Oui, monsieur l'arbitre se plaît sur le terrain, donc on refait une mêlée. Alors, je reçois un petit message sympa de mon ami Richard Dimon. Je ne dis pas que j'aime pas l'arbitre, mais il est très, très et trop, trop lent dans les commandements en mêlée. Alors que, donc, ils refont rentrer, c'est le 23 qui ressort, donc Zori Tef Dorajvili qui sort et c'est le droitier donc qui re-rentre. Donc, Taya, oh, je vois pas pourquoi, à part que parce qu'il était quand même fautif sur les mêlées. Bon, après l'arbitre l'avait pas pris, donc oui, je sais. Allez, introduction pour Deschaux, Hugo, demi de mêlée formé, pur produit de la formation savoyarde. Il a 23 ans. Allez. Aïe, 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 ils ont pris l'impact. Ils ont pris l'impact. Oh là là là, ils poussent à travers. Hein. Attention, c'est la dernière action du match. Allez, allez, messieurs, il faut défendre. Bien, bon plaquage de Ferdinand Hénault. Bon plaquage. Et pénalité pour Carcassonne. Bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Quel plaquage. Quel plaquage. Allez, on va jouer puisque ce n'est pas la dernière action du match. Vous voyez comme quoi le chronomètre est. Ça fait 2 minutes qu'il affiche 80. Donc on a encore une pénale touche, il faut la trouver. Voilà, c'est fait. On aura une dernière munition et ce sera pour Carcassonne. Hein. Messieurs, soyez patients, peut-être qu'une pénalité viendra au bout. Allez. Allez, lancé Petrajvili. On va garder le ballon devant, hein, vous comprenez bien.
Urzaki en relayeur. Lancer, aïe aïe aïe, le lancer, oui c'est bon, bien récupéré quand, par Carcassonne quand même. Allez, patience, patience, même qu'on soit loin de la ligne. Messieurs, gardez le ballon vers le milieu, on aura une pénalité si vous ne faites pas de bêtises, ils vont se mettre à la faute. C'est comme ça que ça se passe, le rugby, c'est comme ça. Allez, patience, patience, patience. Allez, on repart avec les avants, Petrashvili. Attention au soutien, on va chercher dans le fermé. C'est Arto, Arto! Casse un plaquage. Allez, Manka qui prend le ballon. Allez, monsieur l'arbitre, tendez-moi le bras, c'est fini. Ils sont hors jeu, monsieur l'arbitre. Allez, patience, patience, les blancs. Allez, voilà, on repasse encore avec Fernand Reynaud. Passe par le sol, on avance toujours, petit à petit. Il faut continuer à attendre. Soyez patient, soyez patient. Allez, Clément Gisiano, encore une fois, qui avance. À l'impact, alors qu'on a quand même. Ils ont tout donné, hein. Les remplaçants ont tout donné. Vraiment, le banc ce soir a apporté. Oh non, monsieur l'arbitre, le 17. Pff, il est gentil, hein. Il est gentil. Il aurait pu y avoir pénalité, hein. Il aurait pu y avoir pénalité. Il va pas la donner, il va pas la donner. Je pensais qu'il la donnerait, il la donnera pas. Il la donnera pas. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible, il siffle la fin sur ça. C'est pas possible. Oh là 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 là. Eh bien écoutez, c'est terminé ici. Chambéry 18, Carcassonne 18. Les joueurs sont hagards de la dernière action. Il y a un flagrant contest avec les quatre appuis. Bon, c'est comme ça, écoutez, c'est la règle. Il y a Dédé Ossaké qui est fou, furieux. Allez, il faut se calmer les gars, c'est fait. 18-18. Attention, attention, attention. Attention, les chipirons, attention. Pas faire de bêtises, hein, messieurs. Là. Le résultat, le score est bon. Tout le monde ne viendra pas prendre de points ici. Soyez calme. Voilà, ça se calme. Ça se calme. Ouais, c'est un peu comme la fin à Carcassonne. Hein. Voilà, y a rien. Ça se calme. Voilà, hein. Ouais, les joueurs s'échangent des amabilités. Bien écoutez, on a été dans le froid. Ils sont revenus de l'enfer, de ce froid glacial. Et voilà, Carcassonne arrache le match nul ici. C'est 2 points de prix. Et bien, écoutez, c'est 2 points qui seront plus à prendre, je dirais, puisque hormis Albi et Narbonne qui ont pris 1 point, je crois que les autres équipes n'ont pas pris de points. Donc Carcassonne reste devant Chambéry au classement et donc on attendra ce qui se passera demain par rapport à Albi, mais je pense que Albi aura fort à faire à Périgueux, donc voilà, je le rappelle, Périgueux a vaincu à la maison, Albi a besoin de points, donc ça va être le deuxième match de cette 16e journée. Merci à tous, merci à tous de nous avoir regardé, écouté, merci à la technique, merci à tous, bonne soirée et on va aller boire un vin chaud, je pense.